30 à 30 secondes au départ. Deux recrues occupent les corridors intérieurs. Claude Abbott dans le Mondial 2000 et Marie-Ève Vallière dans la poule mouillée. On est très hâtif au départ. On met les gaz. Qui sera la première à la ligne de départ arrivée? Il semble que le départ sera bon, mais départ lancé pour Philippe Billette à l'extérieur. Tommy Shannon également à ses trousses. Qui en profitera? À la sortie du premier virage, on retrouve Tommy Shannon dans un corridor extérieur. Également Claude Abbott qui est bien positionné. Shannon qui a déjà une avance confortable sur ses opposants. Et à l'arrière, on retrouve, je crois, c'est Marie-Ève Vallière et Claude Abbott. Shannon, qui en est à sa deuxième saison, qui a eu quelques difficultés ce week-end, mais là, on retrouve toute la puissance sous la carlingue du pièce d'auto-vélifile Abbott, qui accuse déjà un bon retard sur lui. Il reste trois tours à faire. La poule mouillée est troisième. Alors que Biette et Saint-Vincent sont également à l'arrière. Shannon a complété son virage numéro un. Et il augmente la cadence, toujours pourchassé par Claude Abbott. Deuxième, on est devant le quai fédéral. Et à l'arrière, on est groupé à trois. Je crois que Saint-Vincent est à l'avance de Vallière et également Philippe Biette, tandis que Jim Benson lui rentre au puits. C'est terminé pour le Son of a Bad Boy. Et on est à compléter le virage numéro 2. Shannon en pleine accélération. Pourchassé par Abbott. Et déjà une avance considérable pour Shannon qui a déjà complété plus de la moitié de l'épreuve. Le Bull Shark Racing est troisième. Et Marie-Ève Vallière qui est en perte de puissance dans la poule mouillée, le CS 96. Shannon devant le quai fédéral. Il s'est forgé une bonne priorité. On voit Abbott a complété son virage numéro 1 et Shannon lui s'apprête à apprêter le virage numéro 2. Shannon, on avait vu son père un peu plus tôt, Norman, piloter le Miss Saint-Félicien. Shannon qui est le cousin de Marc Lecomte. Et plus qu'un tour à faire. On lui a présenté le drapeau blanc pour les pièces d'auto-vélifile CS4. Claude Abbott qui est loin derrière. Mais tant que la course n'est pas terminée, c'est à fond, mon Léon. Si jamais c'est des incidents de course, des pénalités peuvent survenir. Le Bull Shark Racing, Carl Saint-Vincent est troisième. La poule mouillée, Philippe Billette, suivent et Stéphane Joannette. Donc, Shannon, si tout tient bien, alors qu'il entreprend le virage numéro 2, ça lui permettrait d'accéder à une autre finale. Il avait réalisé le même tour de force à Valleyfield. Donc, il s'avance vers la ligne de départ arrivée. On va lui présenter le drapeau à damier. Le vainqueur, il se qualifie pour la finale. Dans le CS4, pièce de tour Valleyfield, Tommy Shannon. Alors, belle performance, deuxième saison. On a procédé à un changement de coq pour l'équipe du pièce d'auto-vélifile cette année. On voit que les performances sont supérieures à celles de l'an dernier. Abbott qui, lui, termine deuxième, ce qui lui procure 7 points, mais malheureusement, son week-end est terminé. Full Shark Racing termine troisième. À l'arrière, on retrouvera Marie-Ève Vallière, Philippe Billette et Stéphane Joannette. Donc, c'est ce qui conclut cette qualification
de consolation, 2,5 litres. Et on connaît maintenant les 8 inscrits pour la finale qu'on retrouvera un peu plus tard. Là, on va poursuivre avec l'épreuve de consolation en classe Hydro 350. Merci, Eric. Des petits souvenirs.